et vous avez voyé apparaître cette immonde créature. C'était ça. Sortir. Ah ouais. C'est dans le livre des règles. Dans sa, ouais, dans sa main, dans sa main gauche, elle porte une hache gigantesque qui ressemble plus à une hallebarde, et son bras droit a été coupé et elle a été remplacée par une lame gigantesque. Et vous apercevez sur son corps des plaies qui sont béantes, qui sont couvertes de larves et de espèces de pu. Et la créature fonce. Qui est en premier? C'est moi. Bah non, parce qu'il arrive par là. Ah oui. Donc bah ça sera. Ah ouais. Moi je suis dos. C'est bien. Courage et tout. Au secours. Il va faire frappe de colosse. Oh la vache. Oui attention. 17 minimum. Ouais. Bah t'es mort. Désolé, one shot. Tu peux gagner une carte là. Vous voyez la créature qui fonce. Anna, t'as à peine le temps de le voir venir quoi. Qui fonce sur toi et avec son bras, il te frappe avec une puissance, il a l'équivalent d'un 8 de force. Il te projette contre le mur, tu prends 7 dégâts. Cadeau quoi. Ça fait 7 sur moi. Je peux pas claquer une carte là. Ça dépend, c'est quoi? Bah pour gagner un peu de vigueur. Ah non, non, t'auras pas le temps. Oh bah oui. Bah attends, il me dit ça dépend, c'est quoi? Ouais. Il voulait que tu prennes. T'es projeté contre le mur. Dis-moi ça, hein. T'as pris 7 dégâts, t'es à combien là? Bah j'étais full. Tu prends 7 dégâts, c'est bien. Okay. Ah pas éclaté. De vigueur rien. Et tu vas reprendre 3 allez, par contre. Oui. En fait là tout le monde va reprendre 3 normalement donc. Bon. Alors attends, si je dis pas de conneries. Oui mais ça c'était le premier coup. Il faut que je jette un 10. Pour voir si tu es sonné. Ah ouais. Non, pas du tout. Ah. T'es éclaté contre le mur, vous avez entendu le choc. La créature qui se tourne comme ça. Vous récupérez tous 3 points de vie. Oui. Que fais-tu? Allez, on y va. Alors, ça y est, on y est. Donc, là, on y est. 7 sans qui met. 7, ouais. Donc, le sorcier là. Comment? Le sorcier là. Oui, ouais. Il est en l'air là. Il est en train d'incanter, tu vois. Ok. Morning. Eh bien, je vais me téléporter. Oui. En fait. Ouais, voilà. Et je vais rentrer dans la taverne où on était et manger un petit truc et puis bah attendre quoi. Non, je vais utiliser le voilà, c'est ça, le saut tridimensionnel. Ouais. Et en fait, je vais rentrer en fait dans le voile. Ouais. Vous allez me voir disparaître et réapparaître dans la foulée en tombant en fait au-dessus. Ouais. Il y a comme un portail qui s'ouvre comme ça de d'antimatière. Et je vais tomber sur le sorcier qui est en l'air avec voilà, avec mes deux knives dans la main comme ça et pour essayer m'accrocher. Alors d'abord le sort. Ouais. D'abord le sort, c'est 2 points d'énergie celui-là, dis donc. Ouais. Ah oui. Ce que j'ai économisé tout à l'heure. Ah oui. Bah oui, non, c'est comme ça la vie. Hein. Allez, un des 20, tu nous réussis ce sort et on fera l'attaque après. Tout à fait. Il me semble qu'il est pas si facile que c'est ça. C'est 12. Oh, ça va. Voilà. Oh, bon, parfait. Ouais. Allez, non, un arme blanche. Plus dextérité s'il te plaît, difficulté 6 évidemment. Tu es au-dessus du sorcier, attention ça peut être le fatal parce que il a pas beaucoup de PV cette année. Donc dextérité un peu blanche. Ouais. Ok. Hop, vigueur notre ami. C'est open bar. D'accord. Allez. Oh, 3! Le triple 10! 7, ça fait moins le 1, ça fait 6. Par contre, tu gagnes un dé en plus. Oui. 6, bah, c'est 6 dégâts d'affilée. Voilà. Un des knives, c'est tellement planté fort que tu as réussi à l'arrêter arrêter son sortilège. Il était tombé au sol avec lui en fait. Tu l'as mis sur le sol, accroché sur le sol. Il est pas mort. Vous voyez une giclée de sang qui part. Mais je vais. Eh ben, à l'issue, je vais esquisser un petit sourire. Ok, t'as tout son sang qui te gicle sur le visage. Tu... Ça dit quand même. Kytios, que fais-tu ce que tu fais? Oui. Non, mais moi le problème c'est que il y a le feu là-haut, là, j'ai peur qu'il soit éteint donc je vais sortir. Oui, bien sûr, t'as raison. Ouais, t'as raison. J'entends que ça Non, mais alors. Ah, il y a encore les squelettes, les gars. Il y a encore les squelettes. Hein. Mais. Il y a la grosse bébête. Il y a la grosse bête là qui vient de projeter Anna au mur. Ouais. Qui d'ailleurs est en train de se tourner vers vous. Ouais, non, mais moi ce qui va se passer c'est que les squelettes, je vais un peu m'en retourner. Je suis désolé d'avance. Elles sont mal au point, hein, les gars. Je suis désolé pour ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas respectueux. Non, c'est pas respectueux. On est dans un combat et tout. Et bon, je vais encore utiliser un pouvoir, j'aurai plus qu'un d'énergie, donc tant pis. Je vais faire un assaut fracassant contre notre ami là. Le gros? Ouais. Il s'appelle le Berlion, c'est un Berlion, c'est pas leur défaite. Alors, petite info. Je te le dis, mais t'es pas assez à savoir. Les dégâts physiques sont divisés par 2 sur lui. Ok. Alors, les dégâts magiques sont doublés.
Ah. Ok, ça fera pas de dégâts là. Oui, c'est pour le sonner, on est d'accord. C'est, je vais le... Le sonner, c'est ça? Le sonner, ouais. Il sera sonné pendant, pendant un tour. Ok, alors je veux bien... J'aurai plus de force à la prochaine. Ton modificateur, s'il te plaît. Alors après, attention, les dégâts physiques sont divisés par deux sur lui, mais sur une attaque de Kutios à une dizaine de dés, même si on peut placer 3 ou 4 dégâts, ça peut le faire. On n'a pas plus en courage. Vous avez plus 2 en courage. Plus 2. Ah bon, alors il va passer le sort là. C'est un modificateur de courage. Donc ouais. Ça te fait 4 du coup. T'as 2. Tu vois? Non, mais je le sais, c'est tout en haut. Vous avez tous 2 en courage. C'est bon, impeccable. Et donc, il y a un dé à lancer ou il est sonné? Il est sonné. Il est sonné. Pendant un tour. Vous voyez Kutios qui est arrivé sur lui, qui l'a frappé. Où est-ce que tu le frappes pour le sonner comme ça aussi fort? Il a son espèce de d'armure. Il a tout ce que tu vois. Et un casque, en fait, son casque, j'ai oublié de le préciser, c'est un casque qui lui prend toute sa tête, qui a été enfoncé carrément dans sa chair. Ouais. C'est un casque ultra pointu comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui peut être stylé? Non, bah écoute, je vais essayer de l'enfoncer encore plus, ce casque qui me paraît pas suffisamment enfoncé, donc voilà, je tape dessus. Vous entendez le bruit de métal, il est tellement fort, il arrive à sonner l'immense créature qui est si lourde, elle s'écrase sur le squelette. Vous voyez le squelette partir en morceaux. Okay. Yes! Donc pour l'instant, pendant un tour, donc avant le prochain tour, elle ne peut pas jouer, elle est sonnée. Terriba, qu'est-ce que tu fais? Bien joué ça, c'est un chiant. Bravo! Je suis assez loin de tout, moi. Ah, t'as la grosse bébête, pas loin. Bah ouais, mais. Qui est sonnée, qui peut pas se défendre. Je peux bien essayer de taper dessus, mais c'est pas trop ma. T'as pas de la magie offensive. Ça dit, t'as raté tous tes sorts. Ouais. Il s'agirait de. T'as pas un gros. Je sais pas, j'ai toujours là de rien pour rappeler les. Oui, j'ai des nouvelles. J'ai pas grand chose en. Je suis pas sûr que les épines ne tombent petit machin. Non, non, là. L'autre, il va être un moustique. Pas trop là, hein. Non, bah je vais passer derrière Noltar et je vais, si c'est possible, attaquer un des squelettes au bâton. Là-bas, j'aurai probablement plus de chance que sur l'autre. Est-ce que tu frappes au bâton? Au bâton, ouais. Alors je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche. Et je considère, on est d'accord, ils sont sous les deux devant lui. Tu peux balayer les deux. Ouais, je pensais quand tu jetais tes sorts tout à l'heure, t'avais pas une relance. Le strike, c'est open. Combien? 0. C'est vrai? Non! Ah, même moins un technique. Ah non! Ah, Romain? Le bâton passe au-dessus. T'avais pas une relance toi quand tu as des sorts? Un truc de bâton? Que sur animaux et nature. Ah non, sinon. Oui, ah, c'est chiant quand c'est comme ça. Force à toi, Terua. Ouais, c'est chiant quand c'est comme ça. Ah bah non, mais quand les jets volent pas, c'est horrible. Tu vois dans quel monde je vis. On lui envoie de la force, le prochain, je suis sûr qu'il sera énorme. Noltar. Il dit ça tout le temps. Ouais. Et chaque partie. Prends un peu de force. Pas celle-là pour l'instant. Là, le nécromancien, il a l'air d'être mal en point. Ouais, il a vraiment le clinaille enfoncé derrière, là, au niveau de la colonne. Donc, je vais sortir l'arbalète et... Ah. Enfin, elle est déjà sortie, mais... Oui. Je vais viser. C'est le nécro que tu vises? Ouais. Ok. Un force, plus archerie. On utilise un carreau spécial ou on garde nos carreaux normaux? Qu'est-ce que j'ai qui pourrait m'aider? Alors, t'as empoisonné celui-là, je crois. Je vais empoisonner à la saison précédente, je vais aussi soumiter des peurs. T'as pas des carreaux d'argent? Non, mais t'as des sorts en fait pour les empoisonner, etc. Mais c'est vrai que oui, il faut les préparer en avance. Donc t'as que empoisonné, dispo est normal. Ah non, il y a argent. Argent, ça c'est sûr, tu as argent. Bah argent. Hein. Allez, argent. Donc ça fera un dégât en plus si tu réussis ton jeu. Alors on a dit, moi j'ai 3. Force et archerie. J'ai fait 2, mais j'ai 2. Et là il est. Il y a 2 qui passent. 2 qui passent. Et bah c'est mon contrat, c'est open bar. 2, et du coup il avait pris 6 tout à l'heure. Oui. Ça fait vite. Okay. Bon, ça va très mal. Hein. Le carreau vient se planter dans son abdomen. Ah non, 3 du coup, parce qu'il y a un plus. Oui, en plus. Donc ça fait 9. Ah ouais, donc ça va vraiment pas bien du tout. Provoquer, je Anna, Anna, t'as tout siffle dans ta tête. T'es sonné. Ça siffle à mort et t'as vu la grosse créature se faire sonner par Kutios qui s'effondre au sol. Que fais-tu? Bon, je ne suis pas sonné déjà, tu as raté. Que fais-tu? J'aimerais me déplacer, je veux pas être. Je veux pas rester devant. Je vais essayer de me dépasser par là et je vais tenter un petit coup de Un tir de pistolet, attention, je précise, je n'ai pas considéré comme une attaque physique. Oui, mais j'ai pas tiré. Non, mais je le dis.
C'est pas divisé par deux. Ah bah oui, non, c'est pas une attaque physique, on est d'accord. J'essaierais bien d'utiliser Forgé par la pensée pour son énorme armure, voir son casque aussi. Ouais. En fait, ce que je vois, c'est bloquer ses... faire fondre le métal pour bloquer complètement ses articulations. Et s'il y a moyen de lui cramer le crâne. Modificateur, alors je pense que ça va être magie ou intelligence. C'est intello. Ok, vas-y. Tiens, je la repique. Hop là. Aïe aïe aïe, non, c'est bon. Oh putain, c'est combien? 22. 22, ok, ça marche, les dégâts seront doublés. Je vais te demander un D10, s'il te plaît. Oh putain. Ah. Oui, Mais c'est pire que ça, en fait, le métal de son casque et de son épaulière, très joli, hein, il a fait un double critique. Le est en train de fondre et en fait se mêle à sa chair. Et vous voyez qu'en fait ça fond jusqu'à faire apparaître les tissus, l'os, qui fond également, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un trou béant au niveau de sa tête et au niveau de son bras. Après, on dit que c'est moi qui suis. Tu vois, tu coupes pas la langue des gens. Le baryon ne peut pas attaquer, il ne reste plus que mes petits squelettes pour finir, pour essayer de faire quelque chose. Un squelette sur. Terua. Allez. Là, t'as vu que ça va marcher là. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, non. Bah, bien sûr. Vigueur plus bagarre et mêlée. De toute façon, t'as pas arrêté de dire qu'il y a un personnage qui allait mourir. Bah, je crois qu'on l'a trouvé. En plus, tu peux pas se mettre. Tu m'as dit quoi, vigueur et bagarre et mêlée? Ouais. S'il te plaît, on a dit que j'ai fait 5, j'ai déjà oublié, c'est terrifiant. 5 j'ai fait, 4 je crois. Je prends 5 dégâts. Allez. Mais peut-être pas quand même. Ah non, regarde. Mais non, parce que je fais 5. Là. Non. Double 10 quand même. Eh bien, parce que tu as souffert. T'as un jet du... Ah oui, l'autre. Ça m'a fait 2 du coup. Parce que, tu as souffert à cette partie particulièrement, tu as réussi une esquive magnifique. En fait, avec ton bâton, tu l'as mis comme ça. Au niveau du squelette, il ne reste plus qu'un point de vie. Je te laisse le finir parce que t'as paré son attaque et tu me dis comment tu le tues, s'il te plaît. Oh, c'est mignon. Eh ben écoute, il est en l'air là, il va me redescendre dessus et je vais reprendre mon bâton, lui planter dans le cœur et l'éclater sur le sol. Vous voyez tous les os qui passent, qui volent, qui s'éclatent par terre. Le dernier squelette attaque Cutios dans le dos. Oh le traître, bah oui, mais en même temps j'ai fui le combat. Mais quelle chatte! Mais c'est fou, pourquoi? Il y a tout le temps une partie comme ça, tout le temps une partie comme ça. Terua, il réussit pas ses jets, je le défonce, j'ai fait 3-1. Ça s'appelle quand même. Moi j'ai un nom pour ça, ça s'appelle le karma. Donc le. Tu sais que c'est un surnom, triple 1? Eh bah pareil en fait. Et comme il rate complètement, c'est une pioche qu'il a dans les mains. Il vient se planter dans le sol. Tu t'es retourné. Ouais. Tu te laisses le finir. Tu m'expliques comment tu le finis, c'est toi. Bah là, en gros, il est à moitié accroupi sur le sol. Bah je lui chope le crâne et puis. Ah. Non, j'aurais pu attaquer l'autre avec. C'est un peu tonton. Ouais, mais là il est en train de fondre l'autre. Oui. Donc non, tu l'éclates en fait. Ouais, je lui arrache juste le crâne et je le balance au bout de la pièce. Il y a le loup qui y va. Pas chercher. Il y va. Ok, non, ça marche. Le squelette est éclaté. Il ne me reste que mon petit sorcier. Pas pendant un tour parce que l'autre il est en train de faire dodo. Le sorcier essaye. Alors j'ai bien compris. N'attaquerai pas Noltar. Qui essaye de se défendre en fait en te balançant l'éclair de tout à l'heure sur toi. Allez, évidemment, je vais rater. Ah oui, donc là, il s'est pris. Ok. Tranchez vraiment. Ah, ça passe. Oui, ça passe alors qu'il est à moitié mort sur le sol. Hein. Et il arrive quand même à manger. Oh, oui. Il s'est pris un carreau et deux kunai qui l'ont transporté. Non, un kunai, il l'a transporté. Oui. Il me faut un dessin. Non, mais c'est bon, j'ai compris. T'aurais peut-être dû lui couper la langue. Sinon, on relance 10 fois aussi, hein, on dira rien. J'ai fait 1. Tu prends un dégât. L'éclair noir part. Vient frapper ton corps. C'est terrible ce mec. Là, je prends 0 dégâts. Parce que mon armure elle peut encaisser 2 dégâts donc. Ah, tu prends le dégât sur ton armure? Ouais. Ok. Donc ton armure peut encaisser encore un dégât? Ouais. C'est que ceux qui ont des armures cette année. Ça l'abîme par contre, tu vois, je suis. Exactement. C'est un gros truc noir, ça mais tu prends pas le dégât. Mais c'est. Ok, c'est propre. Et bien malheureusement, c'est à toi. Parce que moi je ne peux pas jouer avec ma grosse bestiole et ça m'emmerde. Et bah, t'as sorti une figurine comme ça et pas pouvoir jouer avec les. Ça m'énervant. Et bah, ça m'a mis très en colère. Oui. Quand j'ai vu, je vois mon armure qui est hyper belle, hyper raffinée, etc. En cuir. Et là, je vois qu'elle a un trou béant. Ouais. Je suis. Ah ouais, ouais. Là, je prends. Je lâche en fait celui qui est planté. Et en fait, j'en fais apparaître deux nouveaux. Je les essuie. Et là, les deux dans la tête. Ah oui, oui. Vraiment. Clac, clac. Force plus dextérité. Arme blanche, par exemple. Donc, t'as deux en dextérité en plus. T'as toujours célérité d'activer.
tu me jettes ça, moi je jette sa vigueur. Ah, ça peut OS là, ça y est. Il lui reste, je le dirai pas. Oui. Ah, regarde. Oh non. Donc ça fait 4, 5. 5, j'ai fait. Double 10 le mec. Ah. Il 2, 10, 1, 9. Il mourra pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Il mourra pas, tu dis. Ça fait. Ah bah oui. Par un de plus. Ça claque, ça rentre dans le crâne. Putain, comment ça peut. J'ai fait 5. Mais parce que. Clac. Vous entendez le bruit si horrible, si terrifiant de. Tu sais, de la dague qui rentre dans le crâne. Puis l'autre. Comment tu l'achèves? Est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Est-ce que tu. Il te regarde droit dans les yeux. Et je vais croiser comme ça mes mains en fait. Ah si je peux mettre une suggestion, il a une robe rouge et il est à moitié pourri. Tu peux lui dire meurs, pourriture commune. C'est vrai ça. On va c'est beau. Vous entendez le crâne qui se fend. Ouais. Mais je croise mes mains. Il dit que les temps qui part et en fait t'enlèves les cunailles et le corps. Tu se libères. Il devait être très très vieux. Il se libère d'une énergie noire comme ça qui va imploser dans la salle. C'est un des six. C'est décevant. Anna. Oh non. Oh non. Et toi, vous prenez 4 points de vie. Quand même, c'est vraiment. C'est un cadeau. Vous êtes projeté, donc ça va faire une pièce. C'est de la magie noire. C'est pas de la magie noire, c'est une onde de magie. Ouais, ouais. Rien bah, une, onde, ah non, une onde de magie noire, donc. Oh. Non, c'est de la magie bleue. Il non. Est mort. Il s'étale sur le sol, il explose. Oh, mais j'ai vraiment pris 4 dégâts par contre. Ouais, ça, tout le monde a pris 4 dégâts. Oh, mais d'accord, je suis un PV là. Tu sais, si t'as c'est fait... vrai, t'as un point de vie. Anna est à un point de vie. Aïe, contre le mur. Non, non, c'est bon, on est bon. Non, mais c'était gratuit là. Oui, là c'était parce qu'il était dégoûté d'avoir. Non, il était à côté. Loupé, il avait loupé tous ses jets. Non, Kytios, Kytios à toi. Il ne reste plus que la grosse créature qui dort pour ce tour là. Attention, il lui reste pas beaucoup de PV. Il me l'a moché avec son double critique. Mais attention qu'elle se réveille pas les pépères. Hein. Ah, mais à mon jeu! Elle est toujours. Tu lui as mis 20 dégâts. Elle est toujours vulnérable. À moitié fondue. Et... Ouais, et en fait, elle a des sombres sauts. Alors, c'est marrant parce que son crâne a fondu. Hein. Ouais. Donc, apparemment, elle peut fonctionner sans cerveau. Mais vous voyez qu'elle a des petits sauts comme ça. Bah, allez. La soigner, non? Faire quelque chose. C'est vrai. La soigner, la déplacer vers Anna. Il lui reste un point de vie, on a dit. allez, finis-moi ça. Non, bah écoute, je vais sortir mon sabre parce que oui, je l'avais pas sorti depuis le début du combat. Donc oui. Je sors mon sabre et comme elle est immobile, elle est sur le dos là. Ouais, non, elle est sur le ventre. Sur le ventre. Ah bon, bah voilà, au niveau du cœur, hein, je lui enfonce. Ok. Mais vraiment calmement et pour bien viser, et je m'entends, je lui enfonce le cœur. Alors. Le sabre oui. Dans le cœur. Force et arme blanche, ce sera difficulté. Je pars du principe que quand une créature est au sol, qu'elle ne peut pas bouger ni se défendre, je fais un 4 ou plus. Je le donne pas, faut pas déconner, mais c'est un 4 ou plus. Mais les dégâts sont divisés par 2 physique. Ah oui. Bon, après, il lui reste pas beaucoup parce qu'il a quand même pris 20 dégâts. T'en reviens pas quand même que t'as pris 20 dégâts. Deux critiques d'un coup, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4. 4. Eh bien, ça suffira. Ça suffira tout pile par contre. Hein. 24 tout pile, hein, la bestiole quand même. Hein. Ouais. 24 tout pile, la lame vient se planter dans son cœur. Le calme est revenu. Elle était belle, hein. Je vais la regarder. Non, mais par contre, on pourra faire un screen du Kikimeter, ce chute devant, je crois. Ah, oui. Les garçons, qu'est-ce que vous faites? Le calme est revenu. Ah oui, donc c'est ça. Qui fondu sur la gueule, quoi. Anna vient de tomber au sol. Douloureux. Anna vient de tout lâcher sur ton loup. Petit problème de. A foncé vers toi. Il est en train de te lécher le visage. Salle, et vous l'entendez. Moi j'utilise une carte. Oh, il utilise une carte de combat pour achever Anna. Vous rajoutez 3 dégâts. Non, c'est la carte qui s'appelle Sibylle. Sibylle, ah oui, c'est bien. Vous et vos amis gagnez 1 des 6 PV. Elle est morte, Sibylle. Vous et vos alliés regagnez. Tout le monde regagne. Alors, ah, bah, j'ai joué ton petit. Besoin, mais, allez, fais-moi un. Je sais pas. Non, mais si tu veux pas partager les soucis. Si, parce que justement, j'allais en utiliser une, mais que pour avant de servir comme cale. Fais-nous un 6 par contre. 2, désolé. Ah, ça suffira. 2, vous êtes. Ça suffira pour te relever, Anna. Surtout pour. Donc, nous aussi, on gagne. Oui. Les amis, que faites-vous? Il me manque plus personne, c'est. Il y a plus personne, c'est bon. Il y a du son partout. Ouais. J'étais à 7.
Ah, ah quand même. Ouais. Ah donc tout le monde a pris quand même un petit peu pas ah, trop de coups. Moi c'est bon, je suis en mieux. Moi pas trop au final. Oui. Bah moi c'est juste la grosse attaque que j'ai pris qui m'a défoncé. Oui, bah Adrien c'était pareil, j'ai raté parce qu'il avait sa boule, j'avais oublié mais il aurait pris un OS aussi. Ça va être le problème de cette saison, il va falloir faire très attention à ça, c'est qu'en effet les one shots vont aller très vite. Les garçons, le calme est revenu, il y a quand même des blessures. Vous êtes épuisés. Sans doute pas l'envie de trop trader non plus, j'imagine, dans cet endroit. Que faites-vous? Je disais, je veux encore un tombeau, un coffre. Hein. Oui. Ouais. Ouais, je suis plein de vie, moi. J'y vais, je me déplace par le coffre, et je vais ouvrir le coffre de moi-même. J'en vois même pas. Je vais même vous dire quelque chose, il n'y a plus de piège dans cette salle. Il y en a quand même assez pour les autres. J'aime bien Dédis, s'il te plaît, Théria, par contre, pour savoir quel genre de trouvaille tu vas vous avoir là-dedans. 4, c'est pas ouf. 4 Grand Club d'Infini. C'est pas une histoire de chiffres. C'est pas plus du fait. Non. C'est qu'en fait, t'as une liste, j'ai compris. Ah, d'accord. T'as une liste, c'est suivant le truc, t'as. Je crois que tu as gagné de la thune. Ça me plaît, ça. À l'intérieur, il y a deux pièces d'or. Bravo. Et des bottes. Ah. Elles sont très étranges. Elles sont de la même couleur. Elles sont de la même couleur que la cape du confin de Anna. Oh, c'est un set d'armure. Elles sont sublimes, elles sont toutes fines. Surtout, j'ai déjà une oui, cape. Mais je suis sûr que c'est ma taille et pas la sienne. Et d'ailleurs, elles s'appellent les bottes du confin. Et je te le dis parce que voilà, tu vous verrez après qui prend quoi, qui prend qui. Ce sont des bottes qui confèrent de la discrétion et de la rapidité. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose d'autre? Il y a des trucs du confin. Est-ce qu'il y a des trucs des cons épais? Comment? C'est pas des purée, des oui. confins ou des intelligents épais. Oui. Pas facile celle-là. Allez. Technique. Technique. Je rappelle, il y a le tombeau, ouais. Le coffre a été ouvert, il y a les armes de l'armée bavaroise, et tout au bout, il y a un escalier en colimaçon. Il y a éventuellement le souterrain de sortie de machin, mais bon. Éventuellement, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est vrai. Pour gagner du temps, je vous le dis, en dessous, c'est en fait une grande salle. Je vais aller voir quand même. Où il était enchaîné, exactement. Il y a plein d'os, en fait, c'est là où il mangeait. Bon, moi, je vais aller faire un tour du côté du tombeau, j'aimerais déjà voir s'il y a des inscriptions dessus. Tout à fait, et d'ailleurs, ça tombe bien que tu y ailles parce que tu es la seule qui connaît cette histoire. Tu reconnais l'histoire d'Enwin. C'est un poète incroyable, et ses œuvres sont encore racontées en Bavière. C'est le tombeau d'un prince qui est très célèbre, qu'on appelait le prince Enwin l'Amoureux. On le disait plus gracieux qu'un ange d'Ava, et on lui doit le poème Frühling, l'un des plus connus de Bavière. Donc c'est quand même une personnalité importante. C'était un ancien prince de Bavière, il y a extrêmement longtemps, et même toi, tu connais les poèmes qu'il avait écrits. C'est marrant, souvent, parce que c'est le même nom que le loup d'Albarade. Exactement. Bah, il y a moyen de dépasser un peu la... Enfin, c'est pas très respectueux, mais bon... Oui, tu peux. Je préfère ça que désacraliser, de laisser les autres... Malheureusement, il n'y a rien dedans. En fait, après 1000 années, tout à cause de la mauvaise température, etc. Non, bah la prière de sol, je la dépose dedans. Ok, carrément. Par respect. Ça, c'est noté. Carrément. Ok. Ouais, jette-moi un D10 quand même. Jette-moi un D10. Qui j'ai pas entendu? Les trois ici. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Combien? Un? Non, malheureusement, non. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, parce que les coffres ont déjà été investigués, donc je vais me rapprocher de l'escalier en collimation. Ouais, carrément. Et là, la magie noire qui était imprégnée ici, elle est toujours existante, parce qu'il y a eu tellement d'atrocités qui ont été commises, mais elle diminue, et qui vient de cet escalier, tu sens quelque chose de plus pur, plus doux, quelque chose de bon. Que fais-tu ? Je tourne vers les autres. Ça a l'air plus sympa en haut, quoi. Je vous propose de pas rester ici, ça pue la mort. Hein. Toi, tu t'y engouffres? Ouais, je commence à monter le truc. Hein. J'ai la confiance. Hein. Je le suis. Toi, tu suis. Ouais. Kytios, Raito. Bah, moi, je vais profiter que Raito soit dans le sous-sol pour... pour remettre le cercueil au-dessus des marches, quoi. Et puis, je... D'accord. Voilà, pour qu'il reste bloqué en dessous, quoi. Bien sûr. Et puis, comme ça... Et puis, je me casse. Et puis, bonne journée, hein. Excusez-moi. Moi, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste repris mon souffle quelques instants. Et puis, voilà, je range mon sable. Je reprends mon arc que j'avais fait tomber tout à l'heure. Et puis... Bien vu. OK. Moi, pendant tout ce temps, en fait, je me suis mis... qui fouillait, etc. Ouais. Je me suis mis en tailleur. Ouais. En fermant les yeux et avec ma lanterne de poser à côté de moi. Ouais. Allumée. Ouais. Et en fait, en connexion avec le voile, voilà. Pour ça marche. Pour gagner des points de vie.
Ça marche. Ah si, j'ai lu, elle sert à ça, la lanterne. Voilà. Je prends. Et après, tu les rejoindras ? Oui, bien sûr, mais j'attends, tu vois. Aussi. Mais après. Les garçons, vous arrivez dans une immense salle qui est plongée dans une lumière bleutée, sublime. Et sans plus attendre, les garçons, je vous le dis, vous êtes arrivés à votre destination au Lichtraum. Sur les côtés des murs, il y a une immense fresque, sublime, mieux conservée que le reste, qui dépeint des scènes incroyables et qui raconte une histoire surtout. Cette histoire, elle est écrite dans une langue de l'Est, très ancienne. Et si vous le souhaitez, je vais demander à nos amis Noltar et Teruad de nous la raconter. À mesure où ils passent avec leur flambeau au niveau de cette fresque, nous raconter cette histoire, ils vont se faire... Il va falloir imaginer que Noltar sera sans doute à droite, Teruad à gauche, et chacun à leur tour va nous raconter un paragraphe de cette histoire qui vous est compté sur cette fresque et qui pourrait vous aider. Ah oui. Les garçons, quand vous voulez, on vous écoute. À l'aube de toute chose, il n'y avait qu'Ildraza, la source. Dans une infinité de nuits sans cœur, son cœur était comme un océan d'énergie pure en perpétuel mouvement. Le vide et le plein, le tout et le rien. L'essence de chaque chose. Qui naît et meurt en chaque instant. Ce cœur battant brûlait ardemment dans l'infini, voguant dans une mer d'éternel silence, tel un phare perdu dans le néant. Après une éternité, ou bien deux, c'est comme si la source émit un cri. Ce hurlement déchira tout ce qui était, le vide et le plein, le tout et le rien. Et la source, depuis son cœur, implosa, s'effondrant de toute sa puissance sur elle-même. De l'explosion naquit la lumière, l'espace, la matière et le temps, et l'univers vit naître ses premières étoiles et ses premiers atomes. Dans son accouchement douloureux, la source donna naissance à trois enfants, des énergies plus brûlantes encore que les étoiles, douées de volonté et fragments même de la source. D'abord naquit Sol, comme un soleil ardent, la lumière qui se diffusa partout et nulle part à la fois, irradiant le cosmos d'un milliard de soleils. Puis vint Lava, qui n'était que beauté et qui ne cessa de distiller la vie de part en part de l'univers, profitant de chaque soleil de sol comme d'un phare pour guider sa prolifique chanson d'amour. Enfin, du chaos que provoqua le hurlement primordial, naquit la sombre, qui n'était aucunement de la volonté de sa créatrice. Elle fut née du hasard et de la destruction, du cri et de la douleur, du chaos et du désordre, de la nuit et de la faim, qui, en tout point, naît là où toute chose commence. La sombre avait l'appétit vorace de sa créatrice, mais ne se nourrissait que du chaos et du néant. Alors très vite, elle dévora les créations de sa sœur Ahava, jusqu'à la dévorer elle-même, s'imprégnant de sa magie, de sa beauté, de son pouvoir. Ce fut le tout premier acte de la grande guerre des cieux, et Sol abattit son courroux sur sa sœur, dans un millénaire de guerre et de combat. Les cieux furent traversés par des lumières ardentes et des comètes brûlantes. Des étoiles moururent et d'autres naquirent. Parmi elles, depuis la violence du combat des deux sœurs, naquit le premier Éode, le Nadir. Il naquit des ombres de la sombre et du feu, de sol, et sa sagesse fut immense car il n'était ni bon ni mauvais, ni de la création de la source, ni son ennemi. Il parvint à arrêter la guerre et alors les cieux retrouvèrent une ère de prospérité. Des milliers et d'autres passèrent, et d'autres éodes naquirent à travers les mondes et les galaxies. Certains servirent la toute première, d'autres l'ennemi de toute lumière. Et voilà que sur une terre, plus ordinaire que nulle autre terre, naquit en secret la dernière œuvre d'Ahava, ses plus beaux et ses plus géniaux enfants, les porteurs de feu. Ils étaient nés d'un cataclysme et avaient perdu leur lumière en même temps que leur dieu, lorsque celle-ci fut tuée par sa sœur. Mais dans le cœur de ces étranges créatures brûlait un feu ardent similaire en toute chose à la plus brûlante étoile qu'il soit. Similaire en toute chose au cœur d'Ahava. Lorsque la sombre s'en aperçut, elle se déguisa en sa jolie sœur et couva ce monde comme l'on prépare le bétail à l'abattoir. Et pour asseoir à jamais son pouvoir sur ce monde et la création de sa sœur, elle forgea en son cœur un trône d'or. Elle cacha en ce trône une immense partie de son pouvoir, car les guerres qu'il opposait à ses propres enfants l'avaient conduit à fuir son royaume ténébreux.
Le trône d'or fut offert au plus belliqueux, le plus arrogant des rois, afin de le préserver de la méfiance des porteurs de feu. Quelque part au royaume du Tigre, où il se regardait un millénaire de sûreté, jusqu'à la prochaine guerre des dieux. Merci infiniment les garçons pour cette superbe lecture. Beaucoup de révélations, mais au moment où les garçons arrêtent de vous raconter cette histoire, cette fresque, un courant d'air passe, une lumière bleutée. C'est le premier à le voir et tout, au milieu des pierres. Un tout petit passage, une toute petite ouverture, où il y a un objet brillant dedans, qui t'attire, t'as jamais ressenti ça. Peut-être même si profondément qu'il pourrait s'agir de quelque chose d'encore plus profond. Est-ce que c'est ta quête? Tu sais pas, tu n'arrives pas à t'empêcher de mettre la main dessus. C'est un objet très froid, métallique, que tu sors de cet endroit. Il est couvert de sable et très chaud. Tu sors cet objet. Vous le voyez tous, les garçons. Écran noir. Merci infiniment à tous d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Merci aux garçons d'avoir si bien interprété leur personnage encore ce soir. Florilège dans le rôle de Raito, évidemment. Dorian dans le rôle de oui. Kutios. Nous avons Romain dans le rôle de Terua. Adrien dans le rôle de Noltar. Et Kevin dans le rôle d'Anna. À très vite tout le monde. Et que l'aventure commence.